John, Taliban en approche. Tu te souviens? Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue à nouveau chez moi pour une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui mercredi 28 juin 2023, donc c'est bientôt la fin du mois. Je vais vous parler d'un film que j'ai vu hier soir, ça s'appelle The Covenant. C'est un film disponible donc depuis le 23 juin 2023 sur Amazon Prime Video. Il dure 2h03. Le genre c'est action thriller guerre. C'est avec Jack Gyllenhaal, Dar Salim, Alexander Ludwig. Et maintenant voici le scénario. Lors de sa dernière mission en Afghanistan, le sergent John Kindley fait équipe avec l'interprète Ahmed pour arpenter la région. Lorsque leur unité tombe dans une embuscade au cours d'une patrouille, Kindley et Ahmed sont les seuls survivants. Alors que des combattants ennemis les poursuivent, Ahmed risque sa vie pour transporter Kindley blessé en sécurité. De retour sur le sol américain, Kindley apprend qu'Ahmed et sa famille n'ont pas obtenu la possibilité d'entrer aux États-Unis comme promis. Déterminé à protéger son ami et à rembourser sa dette, Kindley retourne dans la zone de guerre pour récupérer Ahmed et les siens. Bon, c'est, comme le dit la critique, c'est un bon film de guerre, mes amis. Donc, je valide. Après, bon, tout le monde n'aime pas les films de guerre. Ça se passe donc en Afghanistan avec les talibans, mais depuis les Américains ont quitté donc l'Afghanistan et les talibans ont repris le pouvoir, donc on a l'impression que ça servait à rien. Donc il n'y avait pas que les Américains donc sur le sol de l'Afghanistan, il y avait aussi les Français, mais tout le monde est parti. Après bon, ben c'est un pays à l'abandon quoi. C'est un pays avec une dictature islamique et il n'y a pas grand chose à dire, mes amis, si ce n'est que si vous aimez pas les dictatures islamiques, évidemment, bah, faut pas y aller, quoi. Bah, c'est dommage pour les femmes qui habitent là-bas. Mais après, c'est un choix de vie. C'est-à-dire que les talibans, ils ont décidé de suivre le Coran, de suivre leur prophète, et voilà. Donc, c'est un choix de vie. Donc, voilà. Donc, si les gens sont pas contents, eh bien, bah. Que dire, mes amis, que dire. Voilà, donc c'est comme ça. Moi, je n'ai pas autre chose à dire, c'est comme ça. Donc, il y a beaucoup de pays musulmans au monde. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de pays qui deviennent musulmans. C'est une religion donc qui se développe, on va dire, depuis sa création. L'Afghanistan est un bon exemple de dictature islamique. Voilà, puisque dans d'autres pays, l'islam n'est pas aussi rigoriste, on va dire. Si vous allez en Algérie ou au Maroc, c'est aussi de l'islam, mais on va dire que c'est moins dur. C'est moins pénible pour les femmes, moins pénible pour les gens. En tout cas, en Afghanistan, ils ont décidé de pousser le bouchon un peu loin, puisqu'ils ont décidé d'appliquer la loi islamique, la charia. Donc voilà, c'est le Coran qui s'applique. Voilà, c'est comme ça. Voilà, moi, de toute façon, moi... Je laisse les gens juger, hein. Je suis juste un témoin. Bon, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Restez en sécurité, portez-vous bien. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao, ciao, bye bye. Pourquoi vous voulez ce travail? Ça gagne bien, chef. Ne nous déçois pas, hein. On ne veut pas la casse-couille. Non, pas moi, chef.